Non, elle a fait une première mi-temps. Il y a eu de très bonnes choses en première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, on a manqué de beaucoup de choses. Qu'on a fait une première mi-temps correcte, comme je vous l'ai dit. Puis la deuxième mi-temps, on a été moins conquérant. On a perdu trop de ballons. Sur le premier but, on perd un ballon mi-terrain. On défend très mal. Ah. On n'a pas bien défendu sur des 1 contre 1, sur des situations où, sur le deuxième but qu'on prend, pareil, on doit dégager le ballon, on veut jouer, on veut protéger, on ne protège rien du tout, on perd le ballon et ça fait but. Et on a failli même se faire égaliser. Sur le hors-jeu à la fin, quoi. C'était limite. Défensivement, c'était déjà assez laborieux en première. Il y a quand même le poteau de Dembélé, le pénalty sur la barre, l'occasion d'aller au Tari. C'était déjà assez compliqué défensivement. Ben, quand tu défends pas bien, que tu tentes des choses difficiles et tu te mets en difficulté tout seul. Hein. À un moment donné, il y a des gestes à faire défensifs qui doivent être beaucoup plus précis et plus simples. C'était voulu dès le début d'entrée de jeu de mettre la pression avec ce 2-0. Vous leur aviez demandé d'y aller dès le début? Ben oui, on voulait les presser haut, on voulait mettre de l'intensité, on voulait mettre du jeu. Il y a eu pas mal de déchets, mais dans l'ensemble, on a bien. Ma première mi-temps, elle me plaît bien. Après la deuxième mi-temps, on a déjoué, on a eu du mal à tenir le ballon. On a eu l'expulsion derrière. Je veux revoir les images. J'ai pas revu. Je pense que c'est sévère parce que même s'il a le pied, il a le pied haut, le joueur décroche. Et je pense pas qu'il ait touché le visage. Il a accentué le joueur à jouer le jeu. De la blessure, mais il avait rien, quoi. Je pense pas qu'il ait touché au visage. Je vais revoir les images. Michel, tu avais décidé d'aligner le quatuor Savani, Mollet, Laborde ou Delors. Ça donne des passes décisives, des buts. C'est l'une des satisfactions de la soirée, pour toi. Ouais, c'est la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a eu du mal à bien combiner, à être plus juste, même si on a joué une partie à 10, mais il faut qu'on ait une meilleure maîtrise. Collective et faire les meilleurs choix pour mieux jouer. Et concrètement, vous êtes fait peur, vous avez des frayeurs quand même ce soir face à Nancy? Les frayeurs, non, ils n'ont pas 5 000 occasions non plus, hein. Ils ont posé des problèmes par moment, mais ils n'ont pas 5 000 occasions. Hein. On a quand même plus d'occasions qu'eux sur l'ensemble du match, même si à mon goût, la deuxième mi-temps, elle ne me convient pas. On n'a pas bien joué. On n'a pas eu de maîtrise, on a mal joué, on a fait beaucoup de mauvais choix. Heureusement que Joris, le gamin, fait un beau geste et marque le troisième but qui nous met à l'abri que Nancy revienne.